Toute personne qui s'attaque à l'état de siège sera désormais interpellée, entendue, jugée et condamnée par les instances compétentes. C'est ce qu'affirme le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu. Le général de brigade Sylvain Kenge l'a dit au cours d'une émission spéciale diffusée sur les antennes de la radio FRDC émettant à Beniville ce lundi 16 août 2021 sous le thème « Que cache la guerre médiatique déclenchée par un groupe de députés provinciaux du Nord Kivu ». À ce sujet, le porte-parole du gouverneur des provinces a fustigé l'attitude de certains députés provinciaux qui, à cause de leurs intérêts cachés, s'en prennent à l'état de siège. Le général de brigade Sylvain Kenge précise que cela ne sera plus toléré, idem pour les groupes de pression qui tenteront de marcher contre l'état de siège, car agir ainsi, c'est combattre la paix que ce régime spécial est appelé à restaurer. Les députés sont autorisés à se prononcer. La libre expression est autorisée. Mais quand vous marchez à l'encontre de la recherche de la paix, vous marchez à l'encontre de l'état des sièges qui recherche la paix, c'est que vous êtes contre la paix et que vous êtes pour ce qui en amène, ce qui tue, ce qui égorge, ce qui amène l'insécurité dans cette partie du territoire de notre pays. Mais pour les députés, la meilleure façon de les neutraliser, c'est de les appréhender et de les mettre devant les juridictions militaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi, et on va le faire. J'ai déjà annoncé qu'à partir de maintenant, ils seront interpellés, entendus, jugés et condamnés. Je vous informe, ils ont des intérêts cachés. Ce sont ces députés-là qui entretiennent des groupes armés. Ce sont ces députés-là qui sont des connivences avec les ADF ici, pour que la population voit qui sont avec le peuple et qui ne sont pas avec le peuple. Au cours de cette émission animée par les porte-parole de Sokola 1, le lieutenant Anthony Mwalushai, avec la participation d'autres journalistes des médias locaux, les conseillers principaux du gouverneur en charge des communications, Sylvain Kenge, a révélé que les confluents des rivières Semouliki et Talia est désormais sous contrôle des FRDC. Occasion pour lui d'inviter la population de cette partie de la province à soutenir leur armée, car la victoire est certaine. Le chef coutumier du territoire de Lubero a eu une rencontre avec l'administrateur du territoire de Lubero. Au cours de cette réunion, les autorités coutumières se sont prononcées notamment sur les conflits des pouvoirs enregistrés dans leurs entités et la présence des barrières illicites érigées sur plusieurs tronçons au territoire de Lubero. Selon eux, certains des engins commis à ces barrières disent avoir été envoyés par l'état de siège. Le colonel Donan Londa, administrateur du territoire de Lubero, n'a envoyé aucun engin pour percevoir de l'argent au nom de l'état de siège. Il promet annuler toutes ces barrières illicites et mettre aux arrêts toutes ces personnes qui sont en train de ternir son image en percevant des taxes au nom de l'état de siège. Paka niye batu ya kwanza, mungu naita banduku wenu kishasa, administrateur anachia taxi, administrateur anachia barrière. Voilà situation. Confusion sur confusion. Abordant la question sur la taxe de stationnement, les chefs coutumiers disent reconnaître cette taxe et pensent plutôt que c'est par ignorance que certains habitants l'interprètent comme une taxe instaurée par l'état de siège. Ah, iko taxe, état de siège nakuya jana. Si nous avons taxe de stationnement avant même l'arrivée de l'état de siège. Nous avons nos carnavals budgétaires et c'est bien inscrit dans le budget des entités territoriales décentralisées. Ce n'est pas l'état de siège qui est venu instaurer les taxes de stationnement, non. Nous en avons depuis longtemps les taxes de stationnement existaient. Ce n'est pas l'état de siège qui vient restaurer ça, non. C'est peut-être manque de formation. Peut-être. C'est pourquoi j'ai dit que celui qui n'est pas informé, il n'a qu'à passer aux entités territoriales décentralisées pour venir vérifier dans le budget. La rencontre a été clôturée dans un climat de satisfaction de la part des participants. Consommation du sel de volcan. Chers compatriotes, nous tenons à vous informer qu'une étude scientifique a été effectuée conjointement par l'Observatoire volcanologique de Goma,
OVG en sigle, et le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses, CEE en sigle, sur la substance minérale blanchâtre provenant de la coulée de lave du volcan Niragongo du 22 mai dernier. Il a été constaté que cette substance est en train d'être utilisée par la population de la chefferie de Boukoumou et ses environs pour de besoins domestiques en lieu et place du sel de cuisine. Cependant, les résultats obtenus au laboratoire après analyse de ce produit révèlent qu'il contient des traces d'éléments impropres à la consommation, notamment des substances siliceuses insolubles dans l'eau, des traces de métaux lourds, ainsi que des traces de substances radioactives. Il ne s'agit donc pas de sel de cuisine soluble communément utilisé. Eu égard à ce qui précède, pour le bien-être de la population et de sa sécurité alimentaire, nous interdisons formellement la consommation de ce produit qui s'avère nocif car il contient beaucoup d'éléments toxiques pour le corps humain. Nous recommandons donc à nos chers compatriotes de rester attentifs et de véhiculer ce message auprès de leurs proches pour le bien-être de tous. Nous vous remercions. Pour le gouverneur de province en mission, le commissaire divisionnaire et du Koukalipopo Jean Romial, vice-gouverneur. La directrice régionale du programme des Nations Unies pour le développement PNUD Afrique, Madame Ahuna Ezia Konoa, séjourne à Goma depuis ce mercredi 11 août 2021. Elle a échangé avec le vice-gouverneur Romy Ekuka au musée de Himbi sur la meilleure compréhension du contexte de développement de la RDC et pour accroître la collaboration afin de renforcer l'appui du PNUD au développement dans le pays. First to come and be in solidarity with our staff in the midst of a crisis of COVID-19 and with the country, to also understand the various transitions that are happening in the country, the political transition but also the MONUSCO transition, and to see how UNDP as a development organization can support the various initiatives towards the successful transition. D'abord, je suis venue ici pour témoigner ma solidarité au staff du PNUD et à la population de Goma qui traverse une période assez difficile avec la pandémie de la COVID-19 après l'éruption volcanique, et aussi pour constater l'autre partenariat avec le gouvernement qu'on appuie, le gouvernement congolais et la population de Goma qu'on appuie à travers les différentes interventions, et surtout pour voir comment on peut aussi appuyer les différentes transitions, parce qu'il y a une transition politique dans le pays et la transition de la MONUSCO. Et le PNUD se met à la disposition du pays pour pouvoir accompagner ces différentes transitions, et on essaie de comprendre comment on peut mieux faire pour les appuyer. C'est sa première visite en RDC et c'est l'occasion d'être témoin de premier rang des progrès par la mise en œuvre du programme du PNUD et des agences des Nations Unies à l'appui du gouvernement et du peuple de la RDC. C'est parti. Bientôt, un abattoir public moderne sera construit dans le territoire de Niragongo. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire Eku Kalipopo, a fait une descente de reconnaissance sur le nouveau site qui devra abriter cet abattoir public de Kibati. C'était ce mercredi 21 juillet 2021. Accompagné de l'administrateur du territoire et tous les services de cadastre, le vice-gouverneur Romy Ekuka a recommandé la finalisation urgente du processus d'établissement des documents nécessaires
pour que le partenaire rende disponibles les moyens nécessaires. Écoutons le vice-gouverneur. Nous avons été avec les partenaires et nous avons travaillé de concert avec eux. Il est question rapidement de concrétiser ce projet et les préalables pour lesquels il fallait faire face, c'était notamment d'avoir un terrain. Et nous avons demandé à ce que ce terrain soit trouvé rapidement, qu'il soit disponibilisé, mais qu'il ait également les documents ad hoc pour que du jour au lendemain, qu'on ne dise pas que c'est un terrain d'un privé, que, sur lequel l'État a fait main basse. Et il faudra que ce terrain soit disponibilisé, qu'il soit cadastré, qu'il soit documenté en termes de documents parcellaires pour que le projet puisse se pérenniser. Il y a des habitants qui sont tout à fait près, tout à fait à côté. Il y a une ligne à moyenne tension, il y a un tankeur d'eau. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour que cet abattoir soit là et puisse aider la population quant à sa manière de se nourrir. Faisant d'une pierre d'un coup, l'autorité provinciale a à cette occasion visité également le site choisi pour servir de parking public dans cette partie du territoire de Nyiragongo. Afrika cool, et abena cool, Afrika cool, abena cool, le quoi cool ma topi, wa cool. La chaîne Nabiso Afrika cool. En tout cas, esa chaîne ya bien, et puis bosa très rapide, esa très rapide, esa chaîne moko, bako sa abino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, esa vraiment net oyo ba lobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Donc, esa kitoko na sepeli na bino, na sengi na bato nyonso bo souscrire ebele 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 boko za la desute. Cool. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre le cool analyse, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobo za na moana. Massivement, Afrika cool. Afrika cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo dianabino maman. Merci beaucoup. Équipe Mobimba et Afrika cool, bah, félicitations. Et au moins, ma chaîne Oeza impartiale. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.